Et ce soir, dans la dernière note, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ayelet Ori Benita. Bonsoir, Ayelet Ori Benita, la femme au tambourin. Image très biblique, hein, d'ailleurs, qui nous rappelle Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, qui se saisit de son tambourin comme ça pour célébrer la sortie d'Égypte. Dans la culture juive, Myriam a donné d'ailleurs son nom au tambourin. En anglais, c'est le frame drum. Chaque culture a son propre tambourin pour y insuffler ses propres caractéristiques. Et moi, je fais une sorte de combinaison. J'y insuffle ma personnalité, ma culture, mes émotions, mon expérience collective et familiale, qui sont très juives. Mais j'y insuffle aussi la culture arabe de mes grands-parents, qui sont originaires d'un pays où ils étaient tout le temps en interaction avec la culture arabe. Parce qu'ils venaient de Tunisie, et c'est d'ailleurs le nom que vous avez choisi de donner à votre premier album, qui s'appelle Pshisha Dourdour. Vous allez nous expliquer, parce que c'est un album qui rend évidemment hommage aux femmes, mais c'est un album qui rend hommage aussi à la tradition, cette vieille tradition juive tunisienne de la pshisha. Quel sens ça a, cette tradition un petit peu mystique? La pshisha est une coutume pratiquée le premier jour du mois de Nissan, le mois de la Pâque juive. Toute la famille se réunit autour d'un bol dans lequel on a pilé un mix de céréales, la pshisha. Tout le monde tend les mains. Un membre de la famille, moi c'était ma grand-mère, apporte une bouteille d'huile et une clé de la maison. Elle dépose de l'huile sur les doigts de tout le monde, puis elle prend la clé et la trempe dans le bol de pshisha et prononce en même temps la prière. Avec ce geste, elle ouvre toutes les portes et les accès aux cieux, et ainsi Dieu entend nos prières grâce à ce cérémonial. Nous demandons ce que nous voulons. Ayelet Ori Benita, la voix envoûtante et les percussions d'Ayelet Ori Benita dans le Maghorian. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, salam. ואת גני לא נתתי